Bonjour, bonjour tout le monde. Ça, c'est mon premier vlog de l'aéroport d'Ngilé jusqu'à Lagos. C'était mon premier voyage vers Lagos. C'était ma première fois de mettre mes pieds là-bas. Bah, pendant ton avion, je me pose la question, mais où sont mes chocolats? Bah, je le vois, je me dis, oh là là, le pilote ne l'a pas volé parce que je craignais que ces pilotes gourmands puissent me prendre mes chocolats du Raphaël au Ferrero parce que ça, c'est une pépite que je ne peux pas manquer dans l'avion. On arrive dans l'avion, on monte, je regarde, je vois, oh waouh, nous commençons à partir, à faire de petites manœuvres. Je me dis, ok, une petite vidéo, un peu de fierté, un peu de fière pour avoir mon mal à l'avion. Mon passeport était là, mon laptop était là. Je me disais, aujourd'hui, les artistes nigériens vont sentir. On va pas taper qu'à moi, il va dire qu'il y a des aventures. Je me pose des questions sur le groupe interne. Tu continues au kiné, mon assoubou, il n'est que moi pour me tenir au tuab. On a l'antenne, ma tsoua noé. Batininga, l'occasion qui s'est la sauce au monsieur, mon ami, c'est Yuvatri, c'est comme un thé. On commence à nous dire bon, descendez, c'est fini pour vous aujourd'hui. Descendez, on n'en a plus rien à foutre. On arrive au Togo pour une escale de 45 minutes. Et puis je me disais, ok, ça c'est un premier début. Arrivons au Togo, on va voir la suite, ce qui va se passer par la suite. Et voilà, on part ramasser nos bagages avec ces trucs que vous voyez et ces petits garçons verts là. Et Jésus, j'ai sauté une partie. Ah, ok, voilà, nous sommes arrivés au Niger. Ça c'est Togo ou Niger, je sais plus. Bon, nous sommes dans l'un de ces deux pays et puis bap, je commençais à marcher, à me regarder, je me disais Seigneur Jésus-Christ. Et heureusement que je suis arrivé sain et sauf malgré de qui on a perturbé vol n'abusonara. Non, on a plutôt tout à part pour tout d'engar distrait en bon. C'était en fait pour blaguer. Pour combien on a pu conduire qui est dans mon sous-sol, tout au tambour, tout au tamboléke. Wow, ce sont des très beaux endroits. Banana Island, alors la partie 2 au prochain numéro. Merci.